Il était une fois un ménestrel. C'était un type insouciant parcourant le pays pour chanter à la cour des seigneurs et des rois. Partout, il était accueilli à bras ouverts. Grattant son luth et déroulant ses histoires d'amour et de bravoure, il charmait les dames avant de reprendre sa route. Quelle vie! Yes, nice. Oui, life. Une bonne vie. Sauf que bien sûr, ce n'était pas du tout comme ça. Le showbiz était aussi capricieux au Moyen-Âge qu'aujourd'hui. Le goût du public changeait aussi fréquemment. Et alors, comme maintenant, derrière le divertissement se cachait souvent un message politique. En fait, être ménestrel ou poète de cour était souvent carrément dangereux. Surtout lorsqu'on se produisait devant un public hostile. Ou pire, une armée hostile. Comme dans le cas du ménestrel normand Taillefer. Oh, Taillefer is my name and singing is my game. And if you want to know what a minstrel's for, here's how I got to start a war. C'est l'histoire d'une des plus grandes bravades de tous les temps. En tout cas, l'une des plus folles, à mon avis. Ça s'est passé dans ce champ, là-bas, en 1066, à la bataille de Hastings. Le roi Harold et ses 7000 soldats anglais sont massés derrière un mur de boucliers sur cette hauteur, là où se tient aujourd'hui Battle Abbey. Le duc Guillaume et ses Normands, en nombre égal, sont rangés plus bas, sur la pente, là-bas. Les Anglais paraissent avoir l'avantage. Et pendant un moment, il semble que les Normands aient un peu le trac. Personne ne veut charger le premier. C'est alors qu'une silhouette se détache des lignes normandes. Mais ce n'est pas le duc Guillaume. Ce n'est même pas un soldat. C'est le ménestrel Taillefer. Il chevauche droit sur les lignes anglaises tout en jonglant avec sa lance et son épée. Les Anglais apprécient le spectacle, jusqu'à ce que Taillefer finisse par jeter sa lance sur l'un des soldats et le tue. L'enfer se déchaîne. Les Français chargent, et le reste, c'est bien connu, appartient à l'histoire. L'histoire de la bataille de Hastings est célèbre. Il est donc surprenant que Taillefer n'y figure nulle part, pas même sur la tapisserie de Bayeux. En fait, sans l'un des chroniqueurs, nous n'aurions jamais entendu parler de sa bravoure. Je suppose que les chevaliers normands, dont la tapisserie de Bayeux relate les exploits, n'avaient pas envie d'être ridiculisés par un simple ménestrel. Mais que venait faire un ménestrel sur un champ de bataille? Eh bien, les fonctions d'un ménestrel ne se limitaient pas à jouer de la musique. Le mot ménestrel signifie « petit serviteur ». Ils étaient au bas de l'échelle sociale. Et dans la rude culture militaire du XIe siècle, on faisait peu de distinction entre ceux qui pouvaient cuisiner ou effectuer d'autres corvées et ceux qui pouvaient écrire de la poésie ou jouer d'instruments de musique. Ce n'étaient pas des cours très raffinés. Les seigneurs de la guerre qui les régentaient accordaient peu de valeur à des futilités comme les arts et les divertissements. Ils s'intéressaient principalement aux subtilités du combat et aux moyens de s'entretuer. Les ménestrels comptaient donc à peine plus que des domestiques. Et plus ils avaient de compétences, mieux c'était. Un poème du XIIIe siècle définit un vrai ménestrel comme quelqu'un qui parle et rime correctement, a de l'esprit, connaît l'histoire de Troie, fait tenir des pommes en équilibre sur un couteau, jongle, saute à travers des cerceaux, joue de la citole, de la mandore, de la harpe, de la viole et du psaltérion. Pour faire bonne mesure, il lui est également conseillé d'apprendre l'art d'imiter les oiseaux, de faire parader ânes et chiens savants et de manipuler des marionnettes. Il paraît qu'il était bien vu de savoir aussi danser le hip-hop. Rien de neuf là-dedans. Ces petits serviteurs, les ménestrels, devaient assumer de nombreuses tâches. Par exemple, on pouvait leur demander d'assurer la garde de nuit, afin qu'ils sonnent l'alarme en cas d'attaque ou d'incendie.
En 1306, un ménestrel nommé Richard donna l'alerte à Windsor et évita au château d'être ravagé par le feu. Dommage qu'il n'y ait pas eu quelques ménestrels dans le coin en 1992. Dans la cacophonie des batailles, les serviteurs, sachant souffler dans une trompette, étaient indispensables pour rallier ou encourager les troupes. Loin du champ de bataille, ces mêmes serviteurs pourvoyaient au divertissement, bien que leur répertoire fût assez restreint. Voyez-vous, les guerriers et les seigneurs de la guerre du XIe siècle ne portaient pas grand intérêt aux histoires d'amour adolescentes ou au destin de quelqu'un qui, malgré des handicaps épouvantables, parvient à devenir pianiste de concert. Ce qu'ils voulaient, c'était des histoires sur des hommes comme eux, qui tuent des hommes comme ceux qu'ils avaient tués le matin même. De préférence avec beaucoup de détails sanglants et de fanfaronnades. Cela s'appelait des chansons de gestes, chansons de hauts faits. Royant ferit en une paire à bise, plus en appât que je ne vous sais. Et celle-ci, la chanson de Roland, était sur les lèvres de tous les ménestrels. Cette épopée, en 4000 vers, demeura le gros tube normand pendant près d'un siècle. C'était un peu le numéro un au top normand. C'est une sorte de grande ballade qu'on écoutait au début du XIIe siècle. C'était la plus populaire des chansons de gestes. Y avait-il un peu d'amour ? Non, c'est un environnement où l'amour tenait très peu de place. Culture de mec. Oui, ça correspond à la mentalité des films d'action. Deux copains se retrouvent et font ce qu'ils ont à faire. Et s'il y a des femmes, elles sont très accessoires. Dans la chanson de Roland, la seule histoire d'amour est celle du héros Charlemagne déclarant sa flamme éternelle et sa loyauté à son épée. Et tu rendal comme est belle sanctisme, on l'aurait punta cette si adrelix. C'est une belle chanson, et il reste encore 3554 vers. On peut dire qu'ils savaient tirer parti de leur ménestrel. Pourquoi les ménestrels étaient-ils perchés sur des tribunes ? Il y a deux raisons. À l'évidence, la première est acoustique. Le son porte mieux. La deuxième, c'est qu'à la cour, on invite des musiciens qui sont de la plus basse condition et on ne veut pas frayer avec eux. On les tient donc à l'écart. C'est un éloignement à la fois hiérarchique et spatial de la basse classe. On peut penser qu'ils observaient aussi ce qui se passait. Oui, on avait oublié que si les musiciens ont des doigts, ils ont aussi des oreilles. Et tout en jouant, ils pouvaient écouter les conversations. Il n'est pas étonnant qu'ils se soient souvent trouvé une sorte d'emploi secondaire dans l'espionnage. En plus de leur rôle d'espion, on attendait des ménestrels qu'ils jouent les propagandistes en notant les hauts faits de la bataille afin de produire une sorte de rapport de fin de match. Bien sûr, ils avaient sacrément intérêt à ce que leur employeur soit choisi comme meilleur joueur. Les ménestrels étaient les chargés de relations publiques de leur temps. Ils se lançaient dans des tournées bien organisées, récitant leurs poèmes pour rendre publics les derniers exploits de leur patron. Simon de Montfort is mighty and strong. He loves to do right and he hates to do wrong. Bien sûr, les ménestrels ne laissaient pas la vérité faire obstacle à une bonne histoire. Pas plus que les publicitaires des partis politiques d'aujourd'hui. Prenez ce récit par un héros ménestrel de l'entourage du prince noir. Il raconte comment le prince réduisit en poussière la marine espagnole tout entière. The battle was fierce, the battle was grim, but God let fortune smile on him. And through his courage, skill and might, the Spaniards all were killed outright. Sauf que c'était faux. Et la victoire n'était en aucun cas aussi décisive que les ménestrels le clamaient. Sur le continent, on n'était même pas sûr que les Anglais avaient gagné. Les faits ? Quels faits ? Les ménestrels au service d'un grand seigneur étaient autorisés à porter son uniforme ou livrée. Un ménestrel sans livrée était un peu comme un groupe de rock sans contrat de disque.
La livrée signalait qu'il avait à la fois un statut et des revenus réguliers. Bien sûr, il lui était plus facile de décrocher des concerts de grande classe quand il ne jouait pas pour son maître. Remarquez, les divertissements exigés par ces grands seigneurs étaient plutôt bas de gamme. Même à la cour royale. Le ménestrel favori de Henri II avait pour nom Roland le Péteur. Roland le Péteur. Henri lui offrit 30 acres de terre en récompense de son chef-d'œuvre. Un seau, un sifflet et un paix. Ce n'étaient pas des artistes intello. Voyez ce qui se passe ici. Tout le monde se regarde. Ceux-là regardent ceci, qui regarde le roi, qui compte jusqu'à 3. Attendez. Un autre numéro apparemment populaire chez les rois était une variation sur le thème « Mettre sa tête dans la gueule du lion ». Sauf que là, un ménestrel s'enduisait le membre de miel, puis faisait entrer un ours savant. L'histoire ne dit pas ce que l'ours a fait. Mais je parie que ça ne figure pas dans Winnie l'ourson. Il n'est pas surprenant que certains aient désapprouvé la manière dont les riches encourageaient le comique de bas étage. Au XIIe siècle, John de Salisbury écrit « Même ceux dont les exhibitions sont tellement indécentes qu'elles feraient rougir un cynique sont admis dans les demeures distinguées. On ne les expulse même pas quand, par surcroît de tumulte infernal, ils souillent l'air et dévoilent sans vergogne ce qu'ils auraient dû honteusement dissimuler. » Mais les ménestrels étaient intimement liés à la vie quotidienne. Au Moyen Âge, la ville de Beverley, dans l'East Yorkshire, était un grand centre de pèlerinage. Les musiciens se tenaient là, sur les marches du porche nord de la cathédrale, comme une sorte de comité d'accueil permanent pour les touristes. En fait, la ville entière grouillait de ménestrels. Et quand on décora l'intérieur de la cathédrale, on en couvrit les murs. Les personnages de Beverley nous offrent un aperçu unique sur le monde des ménestrels. Ici, nous sommes face à face avec des musiciens dont l'humble vie n'a jamais été décrite ailleurs. Ces sculptures sont une véritable encyclopédie de l'art du ménestrel. Elles nous montrent les instruments dont ils jouaient. Elles nous montrent comment fonctionnaient ces instruments. Elles nous montrent ce que portaient les ménestrels. Et même ce que certains pensaient d'eux. Les joueurs d'instruments avant semblent avoir été considérés comme très vulgaires. Peut-être parce que le souffle déformait leurs traits. L'Église elle-même avait une attitude ambivalente envers les ménestrels. D'un côté, c'étaient les divins musiciens qui jouaient une musique céleste. De l'autre, ils étaient ceux qui incitaient à la danse et à la débauche. Par conséquent, les serviteurs du diable. En Angleterre, la bonne fortune des ménestrels atteignit son apogée sous le règne d'Édouard II. Édouard, dont le père était souvent absent, avait été élevé par une gouvernante dont l'autre boulot était justement ménestrel de cour. Cela explique peut-être pourquoi il devint plus tard l'un de leurs plus grands fans. Je suis allé aux Archives nationales pour fouiller dans des documents vieux de 600 ans afin de trouver des preuves de l'engouement d'Édouard. Voici par exemple les rôles du trésor où sont enregistrées les dépenses de son couronnement. Tous les ménestrels présents sont listés. Il y en a 154. On voit que le jeune prince avait 5 trompettistes, Thomas le harpiste, William le harpiste, Henry le flûtiste, Tenyan l'organiste. Petit William, organiste de la comtesse de Hereford. C'est très luxueux, mais ça reste conventionnel. Il faut dire que le couronnement était une affaire d'État. Alors que la noblesse anglaise raffolait toujours d'histoires sur qui avait tué qui et à quelle distance leur cervelle avait volé, ce faisant, dans le sud de la France, naissait un nouveau genre de chansons. Elles étaient subtiles, raffinées
et sexy. Le pionnier de ce nouveau style poétique n'était pas un musicien professionnel. C'était un aristocrate, le duc Guillaume IX d'Aquitaine, grand amoureux des femmes, et dont le palais se trouvait ici, à Poitiers. Il fut le premier d'une nouvelle race d'artistes de cour, aristocrates et cultivés, les troubadours. Au XIIe siècle, la cour de Poitiers était le plus important centre culturel en France. C'est ici que le duc Guillaume changea à jamais l'histoire des ménestrels. Il inventa un nouveau genre poétique qui célébrait l'amour et le sexe, ses sujets favoris. Son style était irrévérencieux, plein d'esprit, et il se moquait de tout, y compris de lui-même. Les troubadours révolutionnèrent le mode de pensée sur les sexes. Ils accordèrent aux femmes la supériorité sur les hommes et firent de l'amour un sujet de fiction à part entière. Jusqu'à cette époque, adresser une chanson d'amour à une femme mariée était punissable de mort. Cela équivalait à lui avoir jeté un sort. Mais là où les troubadours étaient vraiment révolutionnaires, c'est qu'ils écrivaient dans la langue de tous les jours, celle de l'homme de la rue. Et il se trouvait qu'ils vivaient dans la région de France où « oui » se disait « hoc ». C'était le pays d'Hoc, et on y parlait l'occitan. Les fabuleux troubadours, des rappeurs français inspirés par les poètes du Moyen-Âge, se lancent dans une rétrospective de poésie occitane. Qu'y avait-il de si important dans le fait de chanter en occitan ? Avant les troubadours, toute la littérature est en latin. Seuls les aristocrates peuvent comprendre. Mais quand ils chantent et écrivent en occitan, tout le monde peut comprendre. Ils font de la poésie en langue vulgaire, la langue du peuple. La langue que les gens parlent dans la rue. Oui. Les troubadours utilisaient la langue de l'homme de la rue pour des jeux intellectuels d'une sophistication éblouissante. Comme cette joute, dans laquelle les deux adversaires rivalisent d'esprit par leurs rimes et leur dextérité verbale. La sophistication de l'écriture est très importante. Et la sophistication de la musique est très importante aussi pour l'époque. Cette poésie a-t-elle eu de l'influence en Europe ? Elle fait beaucoup d'effet en Europe, car c'est la première fois qu'on chante « Faites l'amour, pas la guerre »,« Faites de la musique, pas la guerre »,« Faites des tournois de poésie, pas la guerre ». Au Moyen-Âge, l'occitan est un signe de sophistication. Merci beaucoup. Merci vraiment beaucoup. La culture raffinée des troubadours et la mode d'écrire et de composer en langue vulgaire s'étendit à toutes les cours d'Europe. La nature même du divertissement de cour en fut révolutionnée. Rois et princes réalisèrent que leur royaume n'était plus défini par de simples frontières géographiques, mais qu'il régnait également sur un territoire intellectuel, le territoire de la littérature et de la chanson. Une nouvelle race de poètes de cour commença à remplacer les anciens ménestrels si frustes. Les nouveaux poètes de cour étaient résolument méprisants envers eux. En France, Eustache Deschamps disait que la musique artificielle des ménestrels pouvait être apprise par le plus rude homme du monde, l'homme le plus grossier du monde. D'une certaine manière, la situation était un peu la même qu'au milieu du XXe siècle, quand les artistes de music hall, avec leur répertoire de numéros éculés, se trouvèrent supplantés par les humoristes de l'ère de la télévision, éduqués à l'université et capables de pondre de nouveaux sketchs toutes les semaines. La cour anglaise finit par rattraper le reste de l'Europe pendant le règne de Richard II. Et la star de la cour de Richard était le plus grand poète anglais médiéval, Geoffrey Chaucer. Chaucer permit à la cour de Richard d'égaler les cours raffinées de France et d'Italie.
Dans l'un de ses poèmes, il raconte comment une déesse lui ordonne de finir son livre et de le donner à Anne, la reine de Richard. À présent, va ton chemin. Et quand ce livre sera fait, donne-le à la reine de ma part, à Eltham ou à Chine. Eltham était l'un des palais préférés du roi et de la reine. Et Chaucer en avait supervisé la rénovation dans les années 1390, afin d'en faire un endroit digne de recevoir la cour stylée de Richard. Ironiquement, le palais lui-même a été victime de la mode à la suite d'un relookage art déco au début du siècle dernier. Une seule pièce donne encore une idée de son passé médiéval. La grande salle d'Eltham date des années 1470. Celle de Richard II aurait été plus petite. Néanmoins, ce doit être ici, à cet endroit précis, que Geoffrey Chaucer a récité pour la première fois nombre de ses célèbres poèmes au roi et à la cour. Exactement comme il le fait dans ce tableau du XVe siècle. Être présent lorsque de tels poètes lisaient leur dernière œuvre devait être une expérience terriblement excitante, l'équivalent médiéval d'une première de film. Les ménestrels de l'ancienne école comprirent qu'ils étaient passés de mode. Ils durent se contenter du bas de gamme. Ils devinrent des musiciens errants, se baladant dans tout le pays en quête d'un public. On ne pouvait ignorer la capacité des ménestrels à propager le mécontentement. Au Pays de Galles, durant la rébellion d'Owen Glendower, ils furent bannis de toute la principauté. Mais même pour les poètes de cour, l'existence pouvait être précaire, comme Chaucer l'a peut-être découvert à ses dépens. La cour de Richard semble avoir favorisé une atmosphère intellectuelle détendue et tolérante, où la satire et le pamphlet avaient toute liberté de s'épanouir. Mais les amuseurs insouciants du Moyen-Âge, de notre imagination, n'étaient peut-être pas si insouciants que ça, après tout. Depuis l'époque de Taillefer jusqu'à Chaucer, la littérature avait fait du chemin. Mais une chose n'avait pas changé. Qu'on soit un ménestrel du XIe siècle ou un poète de cour raffiné du XIVe, le métier pouvait s'avérer dangereux.